Alors aujourd'hui, je te parle des chaînes d'opération. Observe une chaîne. Chaque maillon de la chaîne est bien attaché l'un après l'autre. Même principe dans une chaîne d'opération. Si tu as besoin de changer un maillon, tu dois bien venir le fixer aux autres. Alors je t'explique. Chaîne d'opération. Dans une chaîne d'opération, on a les quatre priorités. En premier, tu dois calculer tes exposants. Ensuite, tu dois régler tes parenthèses. Troisième étape, tu dois faire tes multiplications et tes divisions dans l'ordre dans lequel ils se présentent, de gauche à droite. Et tu termines par les additions et soustractions dans l'ordre dans lequel elles se présentent, de gauche à droite. Alors, on fait un exercice ensemble. Tu as ici 10 exposants 2, plus, entre parenthèses, 2 plus 3, moins, entre parenthèses, 4 divisé par 2, plus 4 fois 0. Et on cherche la solution. Dès qu'on change un maillon, souviens-toi de la chaîne, on doit réécrire en dessous l'équivalent pour que notre chaîne d'opération se maintienne bien. Première étape, les exposants. Dans nos exposants, on a ici le 10 exposant 2. Ça, c'est la même chose que 10 fois 10. C'est ta base qui est multipliée ensemble par elle-même deux fois. Alors, c'est la même chose que 100. Tu vois, je change ce maillon-là pour 100. Et le reste demeure la même chose. C'est important que tu réécrives ta chaîne d'opération pour y aller un maillon à la fois. Deuxième étape, deuxième priorité, les parenthèses. J'ai une parenthèse ici, j'en ai une autre ici. Alors, je vais venir réécrire mes maillons en changeant ma parenthèse. 2 plus 3, 5, moins, encore une parenthèse, 4 divisé par 2, 2, et le reste demeure pareil. Prochaine priorité, multiplication et division, dans l'ordre où ça se présente. On les a ici. On peut venir, si on veut, leur ajouter une parenthèse parce que ça devient notre priorité. Le reste demeure le même. Et on vient régler notre nouvelle parenthèse, 4 fois 0, 0. Et notre dernière priorité, addition-soustraction. On a juste des additions-soustractions. On les règle de gauche à droite comme ça se présente. Alors, on a 100 plus 5, 105, moins 2, 103, plus 0. La réponse, 103. Réussi!